effectivement de conseils beauté et qui veulent un peu Bienvenue sur Clony Row. Wow, les droits d'auteur, s'il vous plaît. Enfin, ça, c'est pas vraiment mon émission, c'est l'émission de. Mais oui, mais elle l'écoute même pas. Si, c'est ta série plus, Calvaire, pas TVA. On commencera pas à écouter des sitcoms aussi proches. On verra si un jour l'embargo frappe la Russie, tout précis, pourquoi pas, les musées dans l'armée.
J'aime mieux toi que il est plus charismatique que... Si on reste dans les garçons, il est plus charismatique que Danny Fortin. J'ai pas envie de faire des cauchemars cette nuit-là. Si on m'accuse de... Comme ça, là, à l'hôpital, j'ai bien peur que... J'aime mieux toi que... J'aime mieux... Il est plus charismatique que Danny. Danny Fortin, pourquoi? Il était tête de pioche des fois. Je sais, c'est pas fin de dire ça, là, mais c'est... C'est ma franchise. Mais c'est correct. Que ce soit gentil ou pas gentil, c'est bien d'être direct. On va le laisser. C'était pas mal. C'est pas mal, 5 étoiles. 6 étoiles, c'est mieux. Mais pas mal. Tu j'accepte plus 5 étoiles que 4 étoiles. Attention, ça va être du challenge. Ça va être dément. C'est pas comme Capital One. Tu sais, c'est un Capital One, mais prépayé, genre. Sauf que c'est pas fait par Mastercard, c'est fait par Visa. Oui, ça se rapproche d'une carte de crédit. Mais sauf qu'il n'y a pas, il n'y a pas juste des nombres négatifs, même. Voire, il n'y en a pas. Quand c'est trop rapide, là, je suis pas capable, là. Mais je me force. On va essayer de faire un 5 étoiles.
Fred de Book. Le record ne peut pas être... Au moins, je me fâche moins avec Dominique. Il est charismatique. Malgré. M'en fous. M'en fous. Qu'il soit élite ou pas élite. C'est vraiment qu'il est élite. La LEDA, c'est pas. Voyons. Honnêtement. Maintenant, un peu trop sévère à mon goût. Une vraie Scandinave. Scandinave, sont durs avec lui. Va-t-il falloir que je me mette à la tuer? Je sais que c'est pas très pacifique, là. C'était dur, il y avait trop de... Essayons de battre le record, ok? Plus 2% pour le Nasdaq.
Je pense que demain,
Merci Patrice.
Werewolf. Quand un éditorialiste pro-démocrate du Washington Post écrit que le Bidenisme en soi est en train de chuter. La semaine dernière, une enquête pour une chaîne d'information économique ne prédit que de 38% d'approbation de son travail, et c'est sur le plan de l'économie, justement, que sa gestion est la plus désavouée, 60% de taux. Alors, justement, la première comment cette déficience économique que vous avez relatée peut-être se traduire sur le plan électoral? Est-ce cristallisé pour l'inflation qui est actuellement qui est en train d'obscurcir cet horizon électoral de Joe Biden et des siens. L'ancien ministre démocrate des Finances, Lawrence Summers, toujours très écouté, ne cesse de répéter que si la poussée des prix n'est pas enrayée, son camp va à l'échec retentissant en 2024 dans une configuration similaire à celle de 1968 et de 1980. C'est ce qui, d'après lui, peut le plus contribuer à ramener Donald Trump à la Maison Blanche. Les responsables des gouvernementaux commencent toutefois à contester tel ou tel élément des raisonnements de l'ex-secrétaire au trésor de Washington, mais n'en demande pas moins qu'au sein même du camp démocrate, différents stratèges et analystes redoutent le pire. À commencer par les législatives de mi-mandat, en effet, en novembre, l'un d'eux qui effectue un travail minutieux de cartographie électorale appelle à se réveiller des somnambules d'un parti qui court au désastre, je cite. Il rejoint à cela l'alerte qui de nouveau est mise il y a 2 semaines par un expert des sciences des données qui est considéré comme orfèvre dans les stratèges de campagne démocrate. Il explique à moins de voir de grands changements structurels dans la coalition du parti, alors en 2024, Donald Trump disposera de présidence, Sénat, Chambre des représentants, à l'époque de toute obstruction parlementaire, et 5% avec une minorité des voix. Autrement dit, il aura tout pouvoir, il se présente. Parce qu'hier, le directeur de la première campagne triomphale de Barack Obama s'est montré. Je t'ai dit. Toi, quand est-ce que tu vas partir? Thank you.
J'ai battu mon record. Pour aller prendre un café, voyons, c'est quoi cette question-là? Non, que tu veux, non, je vais y aller. Alexandre, on va t'en faire donc ben des notes trop rapides. C'est bon. Oh, on a un score poche ici. Ah, c'est, je sais pourquoi. Impressionnant, c'est une mesure de 48 et 156 mètres et peuvent dépasser.
votre rendez-vous avec Field Mining Business. Dynamisez votre trésorerie d'entreprise grâce au crédit. Cette étoile, c'est un peu braf là. Sous. Et si on avait quoi 100%? Faut pas l'écouter, c'est une menteuse qu'on peut le CF. Faut jamais l'écouter. Ah, j'avais compris, c'était un erreur, puis elle la confirme. Ça finit à terre. C'est même pas vrai. De toute façon, c'est une astuce junkie, cette femme-là. Je suis pas mal sûr qu'après de la drogue. C'était votre rendez-vous avec Field Mining Business. Dynamisez votre trésorerie d'entreprise grâce aux crypto-monnaies. Enfin, j'ai battu le record. Solo! Bon, celui-là, il est trop dur. Mais ça, tout quant à toi. Peut-être, mais. Autant dire la vérité, c'est terminé. Oh là 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 là, les droits d'auteur. Sur la situation qu'il a
C'est quoi pour ce prix? Florent Deliou, on vous interrompt rapidement pendant votre réunion. Vous êtes salarié chez Sanofi et patient. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre témoignage, comment vous avez bénéficié de ce programme? Ah, chaud. Ah, c'est bien. Aujourd'hui, j'essaie de mettre au service des autres l'expérience de la maladie qui est présente pour moi. Ah, Dieu, ça fait bien le soir.